déplacement rapide, ouvrez l'application appareil photo en appuyant rapidement deux fois sur la touche accueil. Activez, commutateur. Alerte pour améliorer l'efficacité de la fonction Voice Assistant dans l'appareil photo, le contrôle vocal va être activé. Appareil photo arrière, aperçu. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble avec un Galaxy A3 2017, comment prendre des photos à la voix. Alors, cette technique peut être très intéressante, par exemple, pour des personnes qui font beaucoup de selfies, pour des personnes qui veulent prendre des photos discrètement, et aussi pour des personnes qui auraient un problème avec les membres supérieurs ou un problème visuel pour prendre des photos facilement. Samsung qui a fait pas mal de choses pour l'accessibilité avec Voice Assistant. Dernièrement, on a vu une vidéo sur comment répondre à la voix. Aujourd'hui, cette vidéo va concerner comment prendre des photos à la voix. Alors, tout simplement, on va se diriger sur appareil photo en tapotant deux fois sur le bouton Home. Alerte pour améliorer l'efficacité de la fonction Voice Assistant dans l'appareil photo, le contrôle vocal va être activé. Appareil photo arrière, aperçu. Voilà, donc lorsque le Voice Assistant est déjà lancé, il vous propose instantanément, dans les paramètres, d'activer la reconnaissance vocale de prise de photo. Vraiment génial comme solution. Ici, on va lui dire pour l'instant... Bouton annulé. Un visage a été détecté à gauche au bas de l'écran. Alors ici, vous allez voir que on a différents boutons en haut de notre appareil photo. Changer d'objectif touche. Flash touche désactivé. Paramètres touche. Et celui qui nous intéresse beaucoup est le bouton paramètres. Paramètres de l'appareil photo. Affichage des éléments 4 à 12 sur 19. On va continuer à naviguer dans les paramètres de l'appareil photo. Taille d'image pour l'appareil photo avant, format 4 par 3. Taille de vidéo pour l'appareil photo avant, enregistrer les images comme un geste de capture photo. Comme un, en tête, minuteur, dégris, désactivé, tag de localisation, joignez, évaluer les photos, lancement rapide, ouvrez l'application appareil photo en appuyant rapidement deux fois sur la touche accueil. Activez, commutateur. Alors, pour avoir la possibilité de lancer l'appareil photo rapidement avec un double tap sur le bouton Home, c'est à cet endroit que il va falloir activer le commutateur. On va aller dessous. Contrôle vocal, prenez des photos en disant sourire, chaise, capture ou shooter ou enregistrer des vidéos en disant enregistrer une vidéo, désactiver commutateur. On va l'activer. Double appui pour sélection activée. Ici, par rapport à ce qu'on devait activer, c'est terminé. On va revenir à l'écran d'accueil, appuyez deux fois sur le bouton Home, appareil photo. Et l'appareil photo se lance. Alors, vous allez voir qu'avec les mots-clés, le bouton d'appareil photo et va faire ce qu'on lui demande. Par exemple, on va lui dire sourire, shooter, capturer, sourire. Un visage a été détecté à gauche au bas de l'écran. Déplacez l'appareil vers la gauche. Inclinez l'appareil vers le bas. Un visage a été détecté au centre de l'écran. Alors ici, comme vous pouvez voir aussi, au niveau de l'accessibilité, on est avec un prospectus sous l'appareil photo. Et ici, il voit bien. Un visage a été détecté à gauche au bas de l'écran. Un visage, et il nous l'indique. Très bonne accessibilité là aussi de la part de Samsung. Ici, par exemple, si je donne le mot-clé enregistrer une vidéo. Volume système 0%. Arrêtez touche. Et comme vous avez pu voir, l'enregistrement de vidéo s'est lancé. On va pouvoir arrêter. Arrêtez touche. Désactivé. Sourire. Capture. Cheese. Et vous avez vu. Instantanément, les photos se sont lancées, la vidéo s'est lancée, une très bonne accessibilité de la part de Samsung. La détection de visage, pour les amoureux des photos,
pour aller dans un groupe par exemple, ce qui est parfait. Vous placez votre smartphone, vous allez vous insérer dans le groupe et en disant le mot-clé, vous allez pouvoir être sur la photo. Vraiment, très bien pensé. Voilà donc pour cette vidéo qui est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura donné envie de tester cette petite astuce. J'espère que cette petite astuce vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à vous remercier beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et de vous dire bien sûr à la prochaine, car plus de 200 vidéos vous attendent sur ma chaîne. Abonnez-vous pour continuer à me suivre et à recevoir mes vidéos par mail. Et moi, je vous dis donc à la prochaine. Salut !